Donc, le but de cette vidéo-là, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'est le Volkswagen Eurovan Westfalia Weekender. Weekender qui veut dire que c'est fait pour les week-ends, donc pas nécessairement d'équipement de camping, mais beaucoup de place pour voyager, se promener et coucher. Donc, si on avance, on voit l'emplacement à l'entrée du véhicule. Donc, beaucoup d'espace. Grande banquette. Ici, on a un banc qui peut servir pour dînette. Donc, si on regarde, on soulève la table qui vous permet d'avoir un petit lunch à 2, 3, 4, si c'est possible. Pour ce qui est de l'arrière, vous avez un rack à vélo pour deux vélos. Au niveau de l'espace arrière, vous avez un coffre qui vous permet aussi, dans cette section-ci, de faire la fin du lit lorsque le lit sera déplié. Ici, on a de l'espace en dessous pour du rangement. Et sur le dessus, lorsqu'on voyage, évidemment, lorsqu'on fait le lit, la portion du dessus, évidemment, il faut trouver un autre endroit à l'intérieur du véhicule pour les mettre. Vous avez des filets en haut pour mettre des choses qui pourraient ne pas être pesantes ou qu'on voudrait retracer durant notre voyage. Les lumières intérieures, les deux lumières de chaque côté de l'espace passager, sont des lumières qui marchent sur une batterie auxiliaire, donc peuvent être mises en marche même lorsque le véhicule est immobilisé et arrêté. Maintenant, on enlève les appuis-têtes. Si on veut faire évidemment le lit, ici on voit là, il y a un foam là, qu'on déplie qui va par-dessus le lit lorsqu'il est déployé pour faire plus de confort. Puis on voit aussi en haut, vous voyez ici tous les ancrages pour compléter les ancrages de sécurité pour les sièges d'enfants. C'est un véhicule qui est muni d'une transmission automatique et d'un moteur VR6, donc c'est vraiment des véhicules modernes. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous brimer lorsqu'on est sur l'autoroute, si on veut. Maintenant, lorsqu'on veut, évidemment, il y a une poignée dans le milieu ici, on détache les petits loquets sur le côté du banc. On fait juste le déclipser et le banc peut venir vers le bas. Auparavant, j'oubliais, on n'oublie pas de replier notre table. Donc la table qui a un petit piton là. Je ne sais pas si ça va se voir sur les photos. Donc il y a un petit piton à cet endroit-là. On repousse notre table, puis là, évidemment, on peut avancer notre lit. Des petites choses, des fois, qu'on fait vite, mais qui peuvent nous amener d'autres petits problèmes. Donc, on tire le tout. On va le sentir, ça va bloquer. On referme pour faire une grande banquette lit sur laquelle on peut dérouler le foam au fond pour en faire plus de confort. Donc, il reste cette section-ci lorsque c'est déployé pour marcher, puis évidemment, la portion pour aller en avant et sortir
par les côtés. Maintenant, comme vous pouvez voir ici, c'est le module pour, si on veut, vous voyez, un petit crochet noir avec une flèche. On va aller peser dessus pour débarrer comme un hood. Puis ici, un petit peu plus loin pour le toit, vous voyez ici, je sais pas si on voit bien là, mais il y a une petite, un peu comme un hood là, une petite planche. On pousse un peu avec notre tête et on pousse pour laisser se déployer le toit. Chaque côté, il y a des moustiquaires. On doit prendre précaution parce que c'est une ancienne technologie de moustiquaire, donc c'est plus raide un peu. Les toiles, c'est pas des toiles qui sont jeunes, donc on peut ouvrir pour faire de l'air de chaque côté. Puis vous avez le lit ici. Donc, si je suis capable de vous montrer ça ici. On a le lit qui fait environ 44 pouces. Très de logement pour les enfants. Pour plus de sécurité, bien entendu, on a un filet. Je vais vous faire grâce d'installation pour le moment. On installe pour le devant ici, pour pas que les oreillers et les enfants soient portés à tomber vers le devant. Maintenant, quand on ne couche pas en haut, quand le dodo est fini, on peut relever cette planche-là. Et venir l'accrocher au moyen de cette ganse qui est au plafond, là. Très facile. Ce qui vous permet de circuler en hauteur pendant la journée, quand il n'y a pas de dodo. Donc, de l'extérieur, ça donne ceci. Évidemment, on a ici la cabine, les deux sièges capitaine avec bras. Évidemment, c'est une 2002, donc on n'a pas de GPS. C'est muni d'une radio, la AM/FM, je crois, même si je vois bien, cassette qui n'existe plus vraiment. Là. Donc, c'est pas pour la haute technologie. On a les vitres électriques ici. Et de chaque côté, comme on peut voir, on a des vitres. Là, si vous regardez là-bas, on peut ouvrir. Il y a un moustiquaire. Ce qui veut dire que même quand on roule, vu que c'est des airs climatisés qui ne sont pas super performants, on peut faire une belle draft d'air frais. Même quand il fait chaud, ça fait vraiment naturel et c'est très confortable. Donc, on peut ouvrir ces moustiquaires-là. Faire en sorte d'avoir... En fait, le moustiquaire reste là. On ouvre la fenêtre ici. Il y a une planche de chaque côté. On presse. Puis on ouvre la fenêtre. Puis là, notre moustiquaire est fait rentrer l'air frais. Là, j'en sens actuellement les bienfaits. On referme. Ce véhicule-là, avec le set de clés que je laisse, il peut barrer à distance. Évidemment, on fait attention de ne pas laisser les clés en dedans parce que ce n'est pas des technologies qui vont reconnaître la clé, c'est la clé dans le véhicule. Par contre, lorsque vous êtes dans le véhicule, c'est justement pour ça, vous pouvez barrer cette portion-là et cette portion-là ne barre pas les autres. Ce piton-là ne barre pas les autres automatiquement. Comme si je pèse sur ceux d'en avant, ben à ce moment-là, je peux barrer le véhicule au complet. Donc, ne pas confondre. Toujours plus facile de garder les clés sur soi lorsque le véhicule est fermé. C'est plus sécuritaire. De plus, juste pour vous dire que ici, dans cette section-ci, il y a ce qu'on appelle
un moustiquaire. Un moustiquaire qui se déploie, sur lequel il y a des snaps, qu'on vient tout simplement mettre au fourteau pour se faire de l'air lorsque les occupants du bas, évidemment, sont couchés. Donc, vous pouvez coucher la porte tout grande ouverte ou tout simplement, à l'aide des fois d'un petit bâton ou autre, la laisser entre-ouverte pour les nuits plus fraîches. Sans qu'elle soit complètement fermée et mettre un genre de blocage. À ce moment-là, vous aurez de l'air frais qui rentre. Évidemment, comme je vous dis, il ne faut pas oublier d'enlever, lorsqu'on repart, d'enlever le screen et de le replacer à son endroit. Ensuite de ça, comme je vous dis, vous avez, lorsqu'on veut vraiment s'intimer du soleil et tout, il y a une toile ici qui est laissée en dessous. Qui est en fait une toile qui va faire toute la portion du devant. Là, on parle du windshield et des deux fenêtres de côté. Pour le reste, vous avez déjà des rideaux qui sont existants, qu'on déploie, autant à l'intérieur que la porte arrière, que la porte de côté. Il y a des rideaux partout qui vous mettent vraiment en intimité et qui empêchent aussi peut-être... durant la journée, lorsqu'on est plus au soleil, de faire en sorte que le véhicule se réchauffe un petit peu moins. Donc, c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est le Volkswagen Eurovan Westfalia Weekender, qui est un véhicule qui était en 2002, donc 263 000 km, avec tous les derniers entretiens qui ont été faits. Donc, c'est bien chaussé. Vous avez des bons freins. La toile est en assez bonne condition. Évidemment, lors de la livraison, on vous montre comment bien plier la toile pour ne pas la déchirer lorsque vous la baissez. C'est très facile de faire le contraire, là. Donc, c'est ça. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo. Et là-dessus, je vous donne une dernière photo de façade du véhicule. Et je vous dis bon camping.